Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Star Royal et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pourquoi être myrmécologue. Alors ça fait déjà un petit moment que je voulais faire cette vidéo et là voilà enfin, donc ça explique pourquoi j'étais assez long à faire une vidéo enfin qui concerne les fourmis. Je tiens à préciser que cette vidéo concerne plus des futurs myrmécologues ou des personnes qui ne connaissent pas du tout le monde de la myrmécologie. Et leur expliquer pourquoi nous, myrmécologues, nous faisons ça. Pour commencer, nous pouvons déjà préciser que myrmécologue peut être également un métier, car oui, il y a des chercheurs dans la myrmécologie qui étudient donc les fourmis et qui fait des recherches sur ces créatures si fascinantes. Mais il faut préciser aussi que vous pouvez également élever vos propres fourmis tout en n'étant pas un professionnel, un myrmécologue professionnel. Vous pouvez être un myrmécologue amateur comme moi et élever vos fourmis chez vous. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de travailler dans la myrmécologie pour élever vos fourmis. Et donc nous allons arriver à la question pourquoi être myrmécologue? Alors c'est une réponse on va dire assez simple. Tout simplement, il n'y a pas si compliqué, c'est vraiment, il faut aimer les fourmis, il faut avoir une passion pour les fourmis. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes passionnés là, qui commencent à, bah, on va dire, à faire des élevages. Et donc après bah, qui tombe dans la myrmécologie, donc c'est vraiment génial. Moi personnellement j'adore ça, c'est quand je vois vos commentaires et vous me demandez des conseils etc, c'est super parce que je vois que bah, y a plus en plus de monde qui connaît les fourmis et qui devient passionné. Et aussi il y a beaucoup de personnes qui adoraient regarder ça étant petit et ça y est ils pratiquent enfin la myrmécologie. Alors c'est quelque chose de nouveau et donc après bah, vous allez rentrer dans la passion de la myrmécologie. Mais vraiment la myrmécologie n'est que pour passion, tout simplement ça ne vous apporte rien d'autre que la fascination à regarder ces petits insectes travailler. Et donc voilà, nous allons bientôt arriver à la fin de la vidéo. Oui, je sais qu'elle est assez courte, mais avant de se quitter, je tenais vraiment à expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je suppose que ce que je vais vous dire, bah, certains l'ont déjà vécu, car c'est très fréquent dans le monde de la myrmécologie, c'est quand vous allez dire à vos copains, ou enfin des personnes que vous connaissez du moins, que vous élevez des fourmis, certains vont soit se moquer, ou vont vraiment poser plein de questions, pourquoi on fait ça? Tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la passion, on va dire, sur beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont la passion pour le foot ou les animaux, quoi que ce soit. Bah, nous, c'est les insectes et beaucoup ne comprennent pas, tout simplement, c'est pas quelque chose de commun. Nous, on est original, on va dire, on a quelque chose qui n'est pas si réputé que ça. Mais voilà, il faut continuer à vivre sa passion, il ne faut pas regarder le regard des autres. Si vous arrêtez, des personnes qui vont nous dire pourquoi vous faites des vidéos sur les fourmis ou pourquoi vous élevez des fourmis, ça sert à rien, c'est nul ou quoi que ce soit. Bah, n'écoutez pas ces personnes tout simplement ne pensent qu'à eux et ne pensent qu'aux passions, on va dire, qui sont les plus communes et ne pensent pas aux autres passions qui sont, on va dire, laissées à part. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !